Salut tout le monde, c'est X-Rouge, et on se retrouve après plus d'un mois d'absence. Oh putain, désolé, j'ai été grave pris par les partiels, par mon putain d'emploi du temps étudiant, mais c'est un vrai plaisir de vous retrouver en ce début de mois de mai avec le jeu Prey sur PlayStation 4. Édité par Bethesda Softworks, développé par Arkane Studio, sorti officiel le 5 mai 2017, et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Avant de commencer dans du gameplay, on va directement parler du menu, comme à mon habitude, et ensuite on switchera sur une phase de gameplay. Le menu se compose de différentes fenêtres, les objectifs, la carte, l'inventaire, les neuromodes, le statut, ainsi que les données. On va s'attarder principalement sur l'inventaire, avec des sous-fenêtres comme les objets, les puces de combinaison ou les puces psychoscopes. Du coup, parlons des objets dans un premier temps, vous voyez qu'il s'agit ni plus ni moins de votre inventaire. Je m'attarderai durant le test sur les matériaux organiques, synthétiques, et les autres tout simplement. Les neuromodes, c'est votre arbre de compétences, trois branches, scientifique, ingénieur, sécurité. Faisons un petit bond là-dedans, histoire de voir de quoi il en retourne. Médecin de niveau 1, donc du coup vous augmentez la capacité, l'efficacité des kits de secours que vous pouvez utiliser. Kits de secours qui se font assez rares selon la difficulté que vous choisissez au début du jeu, faites attention. Le piratage qui vous permet, avec plus ou moins d'objets et de composés électroniques, de pirater certains modems et modules. Ingénieur, donc on a de la réparation que je viens de débloquer. Ensuite on a quoi? On a expert en matériaux, enfin voilà, vous voyez c'est écrit directement à droite. En bas il s'agit de ma santé, la durabilité de ma combinaison, et le psy qui est le pouvoir que l'on peut s'ajouter avec la branche sécurité, la transcendance, voilà, qui me permet de rentrer dans un second état qui dure 10 secondes, le temps est ralenti, une sorte de bullet time en fait si vous préférez. Et voilà, en fait, 50% d'endurance en moins, oui, car vous avez une barre d'endurance quand vous voulez frapper. Le statut, donc du coup, aucun statut est actif. Si vous mangez, par exemple, dans votre inventaire, vous pouvez avoir de la nourriture pour reprendre un petit peu de vie. Et cette nourriture, en fait, quand vous en mangez un petit peu trop, vous avez le statut de satiété. Et quand vous avez donc du coup trop mangé, vous regagnez des PV constamment, par exemple. Voilà, ça c'est un des statuts, des effets qui peut être actif sur Morgan Yu, le protagoniste de Prey, qui peut être choisi aussi en version femme, à noter. Les données, donc du coup, c'est ce que vous pouvez récupérer sur les PC. Enfin, bon, là, on va directement reprendre le jeu. Je vais pouvoir du coup vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir. On se retrouve donc du coup directement après ce que la démo a pu nous faire voir. C'est pour ça que j'ai voulu commencer ce test directement après. Mais je vais un petit peu vous parler sans trop de spoil. Les événements que vous avez pu rater au début et qui pourraient vous donner notamment l'eau à la bouche pour pouvoir tester ce jeu qui mérite sûrement une très bonne note. Pas encore de note à ce jour. On verra d'ici la sortie du test sur des sites à notes de jeux vidéo. Alors donc, c'est parti. Ouais, déjà ça commence comme ça quoi. Qu'est-ce que c'est ce machin ? Le truc se cogne au mur. Eh ben putain! Oh putain, qu'est-ce que j'ai galéré. En plus, ça explose. Bon, c'est corrompu. Bon, c'est pas des mimiques, parce que sinon on l'aurait vu. Non, déjà pour l'instant, je connais deux ennemis. Je suis sur une station du coup spatiale qui s'appelle Talos 1. On va un petit peu imposer le background quand même. Le système de jeu, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est fait par Arkane Studio, les créateurs de Dishonored, enfin connus notamment pour ce jeu-là. On est dans un style, franchement, le cadre, c'est du Bioshock tout craché. Vraiment, coloré un peu comme ça, style après-guerre, c'est cool. Le jeu va vous faire récupérer énormément de choses parce que la vie ne se trouve pas à tous les angles de pièces que vous pouvez emprunter dans ce jeu. Il y a pas mal de... Ce n'est que Johnny. Vous avez plein de petites notes pour...
vous pousser dans l'immersion, prendre des objets, plus ou moins lourds. Faut vraiment que j'augmente ma force, parce que là, franchement, j'ai une force de golfeur asthmatique, ma parole. C'est abusé. Donc, dans cette station, en fait, il y a deux sortes d'ennemis. Les mimics, en fait, qui prennent l'apparence d'objets pour pouvoir se cacher et vous attaquer quand vous passez à côté. Et les fantômes, qui ont une apparence plutôt humanoïde, bras, jambes, tentacules dans le dos. Ouais, ouais, c'est humanoïde. Du coup... Ah ben, putain, il y a un mimic qui s'est barré de l'autre côté. Il était dans cette machine ? Ils sont corrompus par les mimics, au final ? Ah, putain, ça... J'arrive pas à m'y faire que ça explose. Faudrait que je m'écarte la prochaine fois. Donc voilà, on fouille. Donc les mimics, c'est cette espèce d'araignée à quatre pattes que vous avez vu se barrer. Ah, un neuromode. Ça, je vais pouvoir, du coup, me défiler un point de compétence. On va s'en occuper. Donc, hop. Bon, on va augmenter, justement, le médecin. C'est ce que je voulais. M'augmenter un petit peu les kits de soins, parce que quand on perd de la vie, ça fait pas semblant. Après, le jeu est quand même plutôt dur en fonction de la difficulté que vous prenez. Même en facile, il a sa difficulté. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, notre cher Clive Lawrence vient de utiliser le canon glu. Ça aussi, il va falloir que je vous le montre, le canon glu, c'est assez sympa. Oh, il l'a buté. Il va me buter. Ah non, mais c'est lui, Clive Lawrence ? Bon, il y avait une barre de vie, et comme c'était rouge, c'était hostile, du coup. Logique, vous allez me dire, dans tout RPG qui se respecte. Bon, après, ça reste un jeu vraiment assez fouille, donc... Le principe du jeu, donc on est sur une station, je ne sais pas trop comment on y est arrivé, à la base bon, on est sujet d'une expérience, hein. Même si on est l'un des principaux acteurs de cette expérience, pour cette mise en place, on est aussi un cobaye. Donc, non c'est pas cette touche, faut que je m'y fasse, ouais, voilà, c'est... C'est maintenir le triangle pour avoir la roue dentée. Donc on sort le canon glu, et j'en avais bien besoin au final. Hop, voilà, aussi simple que ça. Ah mais il y a des flammes là. Donc voilà, à savoir, garder l'arme que vous avez en main. Quand vous utilisez la roue pour pouvoir choisir une autre arme, la roue que vous avez en main, qu'est-ce que c'est ce machin ? La charge IEM émet une puissante décharge d'énergie électromagnétique extrêmement efficace. Putain, ok, c'est une grenade. Une grenade. Génial. Du coup, voilà, gardez votre arme en main avant d'utiliser la roue, car c'est l'arme que vous avez en main que vous allez garder après en arme secondaire. J'ai la clé. Je choisis, du coup, le canon glu. Et là, je me retrouve avec ma clé. Voilà. Donc ça, c'est nota bene. Bon, après, il faut aller où là-dedans ? Ça a l'air assez étroit. Ça en dérange pas certains quand ça l'est, mais bon. Non, c'est dégueulasse, arrête. Bon, continuons, parce que là, j'ai l'impression d'être déjà perdu. Donc, il va falloir que je me rende là-bas. Oh ! Une vitre qui se régène. Oh ! Je connais une entreprise qui a dû faire faillite avant l'époque 2032. Carglass pour les incultes. Non, voilà, parce qu'en fait, on se réveille en 15 mars 2032. On est dans une... dans notre chambre. On a des mots de félicitations, des bouteilles de vin de la part de proches. Parce qu'apparemment, on a été sélectionné pour le programme ben, du coup, de la station spatiale. La marque, c'est Transtar. Faut que j'arrive de l'autre côté, mais je ne vois pas comment. Bon, je vais me barrer, on va trouver un autre passage. Et du coup, j'y vais, je prends l'hélico, les crédits défilent, on sait par quel jeu c'est fait, par qui c'est développé, tout ça. Et le lendemain même, ça fait longtemps. C'est dit, s'il te plaît, la prochaine fois. Du coup, donc on rejoint là-bas sur dans ce siège de Transtar, Alex Yu. Alors, je ne sais pas si c'est son frère. Hop, voilà. Alors ça, les fantômes, de toute façon, c'est que avec le canon glu. C'est comme ça, après, on pourra mieux les démonter. Pistolet. Parfait. Efficace, rapide. Donc voilà, après, on rencontre Alex Yu.
Donc, est-ce que c'est son frère, est-ce que c'est son père? Je sais pas du tout. J'ai pas réussi à faire le rapprochement. Du moins, j'en sais très peu sur ce jeu. Tant mieux, vous allez me dire. Hein. Mes réactions seront plutôt à chaud. Ah, j'ai plus de place dans mon inventaire. Merde. Bon, c'est pas grave. On va un petit peu fouiller. On va un petit peu fouiller partout. On va regarder ce qu'il faut faire. Et c'est un medikit. Oui, c'en est un. C'en est un. Donc du coup, voilà, et au final, on passe une série de tests, il y a une petite merde, le lendemain on se réveille un 15 mars 2032, tout comme hier, oh, bizarre, et en fait, on s'aperçoit que le voyage dans notre hélico, ainsi que notre départ depuis... Ok, donc c'est comme ça que je vais monter, c'est un élévateur, bon on ira après, il y a pas mal de choses à découvrir d'abord. Ça faut que je répare, oh, ça fait mal ça. Vous avez subi des dégâts d'un arc électrique. D'accord, ok, bon, faut utiliser le canon glu. D'accord. Ah ouais, mais ça fait quand même assez mal. Oh, oh putain. Putain, il m'a en plus niqué mon arme. 37 de vie. Oh, mais j'ai mangé. Oh. Non, je vais pas l'améliorer. Je pensais qu'on pouvait la réparer, mais en fait, non. Je pense qu'elle a dû subir juste un dommage passager. Bon, là, du coup, voilà, je me bouffe 2-3 trucs. Statue pleine forme. Donc, du coup, voilà, vous voyez en bas à gauche, je récupère un point de vie par point de vie parce que j'ai ce statut-là. C'est plutôt sympa. J'ai l'effet de satiété, quoi. Bon, ben là, je peux me déplacer enfin, c'est sympa. Il faut que j'aille à l'atelier, c'est mon objectif principal. Bon, là, le mec a fait un canon glu, il a voulu s'échapper là-bas. Je pense que c'est aussi par là qu'il faut aller. Il a laissé cette mallette, il me semble. Il l'avait lâché. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Oh, pas mal. Oh, il y a un neuromode encore. On va s'améliorer un petit truc. Ah, ben voilà, soulever facilement des objets lourds. Voilà. Je passe de golfeur asthmatique à joueur de cricket. Magique. Mes respects à tous les joueurs de cricket qui regardent cette vidéo. Du coup, voilà. En fait, il s'avérait que... les vitres, les hublots de cet ascenseur, ben en fait c'était que des vidéos, j'ai pas quitté ma chambre, en fait j'ai pas quitté l'endroit où j'étais. Derrière la vitre de mon appartement, ben en fait il y a un laboratoire, c'était une vieille image. J'ai bien fait de me prendre la force physique, ça tombe vraiment à point nommé. Dégage. Donc du coup en fait voilà, on se fout un petit peu de votre gueule depuis le début, et... Bah d'un moment, enfin d'une seconde à l'autre, vous vous retrouvez seul. Et il s'avérait que vous êtes déjà dans la station spatiale et que en fait les tests que vous aviez à faire. Bah je sais pas en fait, c'était. Oula. J'ai vu un mimique passer. Et une machine corrompue. Est-ce que ça peut se. Oh, c'est nice. C'est cool ça. Je me dépêche quand même. Bon, je commence à avoir le réflexe de m'écarter quand il le faut. Il y a un truc là-bas, non. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Distributeur? D'opérateur? What? Demande d'opérateur. Mais qu'est-ce que ce machin? Ok, bon, il a une barre de vie bleue, donc il est avec moi. Ok, je peux en demander qu'un à la fois. Mais il en a encore deux en stock. Ah, mais... Ah, je peux lui parler, oui! Oh, il m'a remis ma combinaison, j'étais de 79, je suis passé à 100. Mais c'est génial! Fada! Oh, j'adore! Oh, je kiffe! Bon, bref, faut vraiment que je finisse mon histoire. Oh, zone de radiation! Oh, j'ai mal! Bon, d'accord, ok, bon, c'est pas par là. On a encore un ennemi, génial. Du coup, voilà, hop. Donc, on se fout un petit peu de votre gueule, vous êtes déjà sur cette station, en fait. Il faut savoir en fait que vous êtes seul, il va falloir vous démerder, savoir ce qui va se passer. J'ai le statut, c'est bon, j'ai le statut en pleine forme. Donc voilà, vous allez souvent vous retrouver avec des aliments qui vont vous donner très peu de PV, mais qui peuvent vous en rajouter sur la durée. Oh, un mimique, en voilà un. Espèce de bestiole trop bizarre. Moi qui suis en plus un peu... qui suis carrément arachnophobe, c'est des êtres qui me répugnent un peu. Je me posais une question d'ailleurs sur
Bah sur ces animaux, généralement, qui ont leur technique de camouflage, c'est une capacité généralement pour fuir. Bah, toi, t'es en mouvement, toi. Enfin, il y avait une aura noire bizarre autour de toi. Généralement, enfin, je sais pas, comme animal là qui me vient de suite en tête, j'ai le caméléon qui se camoufle pour échapper au danger. Une technique de camouflage, c'est pas généralement utilisé par des animaux, des bestioles qui ont un instinct qui n'est pas un instinct de prédateur, qui sont plutôt au niveau de la chaîne alimentaire, plutôt vers le bas. Ben là, je trouve que les mimics, c'est un peu sadique, quoi. C'est fourbe de leur part. Ils se transforment en objet pour que dès qu'on passe à côté, ils nous bouffent, quoi. Ok, il doit y avoir des animaux qui utilisent ce système-là, mais généralement, quand on a un... Oh, putain! Putain, en plus, si ça me nique ma glu à chaque fois, quoi. Génial, quoi. Allez, encore un kit. Putain, ça se vide à une vitesse. Ah, bref, passons par là. Ok, ta gueule. Du coup, Ah, bah tiens, un transcribe. On va pouvoir un petit peu écouter en fond à la BioShock. C'est assez stylé. Donc c'est vraiment un mix BioShock Dishonored, un petit peu. Et après, sur le système bah, Dead Space, un peu, quoi. Pour le cadre, quoi. C'est vraiment... Bon, tu vas avancer, oui. Oh, il y avait un fantôme, je l'avais pas vu. Ok, l'autre, il me frappe à chier. Putain, l'autre, il a pris toute la glu. Putain, j'aurais dû switcher avec le gun. Oh, il perd pas du tout de vie. Tendu le combat, tendu. Après, si rien que sur ce principe, le jeu vous plaît, mais franchement, c'est banco. Autant il n'a pas eu de note aujourd'hui, mais je sais que c'est un jeu qui va quand même se prendre une bonne note. Je sais pas pourquoi, mais mon intuition, généralement, je me trompe assez rarement sur les notes que peuvent donner les sites communautaires vidéoludiques. Putain, en plus, je suis fatigué. Oh, il fallait que ma barre d'endurance remonte. Ah, putain. J'ai galéré pour le buter. J'ai eu un finishing move qui est arrivé pile au bon moment, quoi. Allez, on reload. On continue à explorer. Donc du coup, ces fameux neuromodes, par exemple, que je m'inclus, bah, c'est cette espèce d'aiguille qui se fout dans l'œil. Vous avez vu sûrement des vidéos de Morgan Yu avec l'œil ensanglanté, c'est parce qu'il s'était en gros infligé un neuromode, en fait. Donc après, vous avez des mails sur tous les PC sécurité. Vous voyez de qui ça vient, pour qui, en quoi ça consiste. Bon, je vais pas m'éterniser dessus, parce que sinon on va avoir un... J'ai eu un nouveau code d'ailleurs, tant mieux, ça va me permettre d'ouvrir une porte. Voilà, des indices qui vous sont donnés dessus. Si je commence à lire, on est parti sur un test qui va durer beaucoup plus d'une vingtaine de minutes, comme à mon habitude, quoi. Donc j'ai eu le code, tant mieux. Je vais pouvoir avancer. Heureusement que le jeu vous le rappelle, parce que croyez-moi, vous aurez un nombre de codes assez, comment dire, incalculable pour continuer à avancer dans le jeu, quoi. Oh! Parfait, arrêtez pile avant. Non, ah putain, je fais toujours la mauvaise touche. Silencieux, j'ai que 6 balles. Finis-le, tard. C'est bon. Intégrité de la commune. Aïe. Bon, d'accord. Oh, 66, ça... Bon, oui. C'est pas cool, quoi, mais il y a pire. Fragment d'astéroïde. Nice. Ah, il a la carte d'accès. C'est parfait. Après, donc voilà, vous pouvez trouver les mots de passe sur des post-it directement à côté des ordinateurs, par exemple. Ça vous permet donc directement d'accéder au contenu de ces PC qui appartiennent à ces différentes personnes qui étaient sur cette station spatiale Talos 1, sur ce fameux sujet d'expérience sur des pouvoirs. Donc parce que voilà, chaque neuromode, après, dans l'arbre de compétences, vous pouvez vous inclure des pouvoirs. Donc parmi mes pouvoirs, j'ai la transcendance qui permet d'avoir un bullet time. Donc, bon, voilà, on a ce côté un petit peu science-fiction qui vient s'ajouter. Bon, vous allez me dire, comme si c'est pas déjà assez science-fiction comme ça. Le jeu, quand même, est assez vraiment sympa. Il est quand même assez dur, c'est cool. C'est un jeu solo, pas d'online. Il occupera environ une trentaine de gigas de votre espace sur la PlayStation. Je vous rappelle, sortie officielle le 5 mai, en fonction du moment où vous avez regardé votre vidéo. Enfin, la vidéo, pardon. Bon, du coup, on continue par là. Faudrait quand même que j'accède à cet atelier. Non, mais il y a des mimics, ils passent comme ça devant moi. Enfin. Bon, vous l'aurez compris, les mimics, enfin, je précise avec le S parce qu'ils le disent comme ça, mais les mimics, voilà, c'est... Ah, mais je suis revenu au début.
Enfin voilà, les mimiques, c'est ce qui, en gros, prend l'apparence, voilà, ça imite, quoi. Oh, voilà, vous voyez, comme ce siège, par exemple. Après, je vous conseille, par contre, dans les réglages, de baisser le volume sonore. Pas les effets, juste la musique. Ok, la musique arrive en gros screamer, elle est super d'ailleurs, la musique est très très bien, un gros gros point d'ailleurs sur ce jeu, mais elle est tellement forte que c'est plus la musique qui va vous faire sursauter que l'effet. Trouver le membre d'équipage. Bordel, ok, des missions secondaires où est-ce qu'il faut trouver des gens? Mais c'est sympa, ça ajoute une belle un goût, une saveur supplémentaire à ce jeu. Mais il y a masse de gens! Oh bordel! Ah putain, ceux qui vont vouloir faire le platine, vous avez du boulot. Oh là là. Bon, je reviens ici. L'atelier est là-bas. Bon, je suis passé là-bas. Il y a un digicode. Mais bien sûr, voilà, je ne l'ai pas. Donc j'ai pas tout fouillé. Alors, bon, il y a un nombre de pièces déjà assez important auquel je n'ai pas voulu accéder pour ne pas continuer d'avancer parce que. Autant j'aime bien avoir un jeu où est-ce qu'il y a plein d'endroits où aller. Aïe, putain, mais t'étais encore là, toi! Oh, dégage, quoi! Il y en a qui me passent devant la gueule, ils reviendront pas me niquer, mais lui, il m'attendait, quoi. Donc c'était sûrement aux utilitaires qu'il fallait que je fasse un truc. Parfait! La map, avec plus de détails. Voilà, ça pourra toujours être sympa. Vous avez sûrement les. Voilà. Objectif affiché, etc. Initialiser ce point qu'on déverrouiller. Casier de sécurité. Bon, faut le verrouiller sinon bon non, je réinitialise. Bon, on verra ce que ça offre. Ben, si, il me reste un utilitaire, non? Ah, c'est reverrouillé. Ben non, je l'ai déverrouillé, je vais d'abord voir ce qu'il y a dedans. Plan de fabrication. Ok, c'est ça qui s'est affiché en plus. Putain, il y a vraiment énormément de gens. Ah oui, d'accord, ok, mais c'est que des pages. Oh là 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 là! Putain, perdez pas vos clés dans ce jeu. Oh là là. Non mais ça montre déjà d'une part qu'il y a énormément de pièces, ce qui fait que le jeu est quand même assez vaste. La vastitude du jeu est assez importante. Oui, je sais, vastitude, c'est dégueulasse à entendre, mais ça se dit. C'est assez sympa, ça offre vraiment une belle saveur, quoi. Bon, toi, tu m'auras pas deux fois, enfin, deux fois. Si, tu m'as déjà eu deux fois, même trois fois, je crois. Je sais même plus combien de fois je suis passé devant. Le plan de fabrication. Bon. Allez, comment on va y monter? De toute façon, le mec peut grimper. Allez, cool. D'accord, je peux pas passer. On va essayer de passer autrement. Allez, putain, t'en es capable en plus. Donc voilà, je sais très peu de choses sur le jeu, je peux pas vous en dire davantage. Et puis je pense que c'est tant mieux, ça m'évitera aussi de vous spoil. Je suis vraiment au début du jeu. Oh, mais c'est génial, ça je vais pouvoir vous le montrer et ça c'est cool. Vous voyez en gros toutes les merdes que j'ai parce que mon inventaire était full. Eh bien voilà, tout ce qui est noir sur fond noir, vous pouvez le mettre dedans. Et vous voyez, à gauche, ça montre un recyclable. Du coup, vous avez des unités différentes de recyclage qui s'affichent. Dès que tout est là-dedans, vous pouvez recycler. Et là, il y a tout qui tombe! Et vous pouvez le récupérer, et ce sont des matériaux qui vont vous permettre, dans la machine d'à côté, de dresser des plans. Ça fait un petit peu de l'espace dans votre inventaire, ce sont ces cubes de couleurs différentes qui vous permettent de créer d'autres choses ici. Donc là, je vais le lancer. Oh, des balles de 9 mm! Ça, j'en ai besoin parce que j'avais plus de balles. Je les place, je regarde si j'ai tout, c'est bon, je peux créer. Aussi simple que ça, CQ putain de FD! Et des petites balles. On les met, je rappelle que j'avais 0 balles. Je sors mon gun. Et j'en ai 30. Magnifique. C'est pas mal. C'est pas cher payé, c'est cool. Donc du coup, récupérez tout. Même les objets divers. Même les plus grosses merdes. Ah ben le plan était là en fait. Tac. Ok, donc il va falloir que je fabrique le système. T'es où? Ah là. Système. Vous pouvez faire R3 directement dessus pour avoir l'objet en gros. Enfin, pardon, l'écran en gros, pour éviter de vous déplacer avec l'autre joystick. Qu'est-ce que c'est? Maintenez quoi? Un jetpack? Beau!
D'accord, oh, ok, ça me permet. Je vais pas voler, mais au moins je vais. D'accord, dégâts de chute du coup compris. Je n'étais pas tombé d'une hauteur assez importante pour que je puisse voir s'il y avait des dégâts de chute. Pas d'utilitaire pour faire descendre cette putain de plateforme à côté de moi. Je pense que, bon, je pense que vous l'aurez compris, il va falloir que je saute directement dessus. Je vais prendre un peu d'élan. Je croise les doigts. Oh nice, oui, ça permet de l'éviter un peu quand même pour pouvoir au moins s'agripper. C'est cool. Bon. J'ai toujours pas récupéré ce qu'il fallait pour l'atelier. Pour y arriver. Je pense que je vais m'arrêter avant d'y accéder parce que au moins je vous ai montré le plus important qu'il y avait à savoir pour au moins vous permettre d'avoir le choix, si vous posez la question d'acheter ou pas le putain. Oh, j'en ai marre, il m'aura eu tout le long de ce test, ce putain de transformateur électrique à la con là. Désolé, mais. Enfin voilà. Ça vous permettra peut-être d'avoir votre choix sur le fait d'acheter ou non, quoi. J'ai pas la carte, je suppose. Mais bien sûr que. Non, c'était trop beau pour être vrai. Je suis déjà passé par là, mais il y a un endroit que j'ai raté. Ah, mais putain, c'était là, oui, je voulais y aller en plus en début de vidéo. Je suis con, ma parole. Un canon glu. Oh, ça va me faire pas mal de bah, d'objets, enfin de points recyclables. C'est cool. Après, on en apprend au fur et à mesure sur le jeu. C'est vraiment sympa. Au moins, le solo, le scénar du solo vous tient en haleine. C'est assez sympa. Si vous aimez Dishonored sur le gameplay, le graphe, le cadre du jeu. Et le système inventaire un peu aussi à la BioShock. Oula. Avec un esprit à la Dead Space, comme vous pouvez le voir. C'est un mix assez improbable et pourtant très efficace. Je le recommande à ceux qui ont aimé ce genre de jeu. Et puis Arkane Studio, studio français, hein, on fait vivre notre pays, hein, n'est-ce pas? Surtout en ces temps. Je vais pas en dire davantage. Encore un module. Bon, mais je pourrais encore me vider de mes merdes. Bon, je vais pas m'amuser à chercher la carte pour accéder à l'atelier. De toute façon, c'était mon autre objectif. Mais au moins, je vous ai montré pas mal de choses et j'ai découvert des choses en même temps que vous. Je vais m'arrêter là parce que ça fait une bonne vingtaine de minutes qu'on y est déjà dessus. En espérant du coup que ben, mon test vous aura plu. Sur ce, ben, du coup, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver à nouveau après 1 mois d'absence. Alléluia, c'est les vacances pour ma part, tant mieux. Et du coup, bon, je ne relancerai pas d'autres tests avant Crash Bandicoot qui sortira le 30 juin. Sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien tout le monde et à ciao!